Si vous éliminez ces vaisseaux Blarg, il est à vous. Escortez-moi à l'autre bout de la station et vous pourrez utiliser notre jet. Un jet, c'est cool. Ok, mais surtout mon gars, tu t'avises pas de nous rouler, hein. Donne-moi mon argent. Merci. Allez, après Sky, on s'est aspiré. Allez, mais c'est inspiré! J'adore aspirer au canon. Elle consomme pas de munitions. L'infini et au-delà. Non, c'est pas ça. Mmh.
Alors, il est où, ce jet? Là, dans ce garage fermé à clé. Un touriste se crache avec un jet et blanc, un procès. Je n'ai jamais eu affaire à une telle serrure. Tu l'as dit, Mister Fut-Fut. Je peux pas l'ouvrir non plus. Je fais pas confiance aux touristes et la direction me fait pas confiance. Bah oui. Bref, on a un petit problème. Comment ça, on a un petit problème? Hé, je veux juste le masque O2, moi, hein. Si vous pouvez pas ouvrir, c'est votre problème. Alors aboule le masque ou je te fais une tête au carré. Je vois que vous voulez vraiment piloter notre jet, alors écoutez, allez voir Bob dans son robot romain. Il connaît bien ses serrures. Avec le propulsopac, tu peux super écraser des commutateurs comme ceci en sautant. Bien, bien, voyons ce que nous avons là. Attention, fragile. Ah, je reconnais la griffe de l'artiste. Al est passé par là. Ouais, il a installé l'hélipack. C'est ce que je vois. J'ai absolument tout appris à cette vieille branche. Hey, si tu veux du vrai matos de pro, je peux équiper ce petit gars avec un propulse opaque. Ouh! Et est-ce que ça peut nous aider à ouvrir le garage qui a cette serrure bizarre? Ah, vous connaissez ces machins? Eh ben, je veux que ça vous aidera. Il a un véritable super écraseur intégré. Ouais, bah t'as vraiment de la chance que j'en ai besoin pour arriver au jet, mon pote. J'ai bien aimé le ouh de Clank. Oui, j'ai bien aimé. Dak, j'arrive. Je vais t'installer ça en un tour de clé à molette. Et voilà, petit gars, flambant neuf. C'est vrai, j'ai la classe. Ouais, la classe chauve-souris. Mon propulse opaque est doté de la nouvelle fonction super écraseur. Saute en appuyant sur la touche R1 pour profiter de tes nouvelles capacités destructrices. Oh merde, je suis en train de perdre des points de vie, j'avais pas vu. J'ai vu qu'il y avait pas d'animation, tu te fais toucher. Ça me rappelle un boss de KH1, ça. Et lâche-moi, toi. Alors, le biscuit. Lâchez-moi. Après, si j'ai pas multi-qualité, je te conseille d'aller sur YouTube. Et lâche-moi. J'ai pas le choix. Et voilà. Bah, c'est pas trop tôt. Le masque O2 te permet de respirer sous l'eau, dans les atmosphères empoisonnées ou dans le vide spatial. En même temps, c'était pas trop dur, hein. Automatiquement équipé dès que tu en as besoin. Ouais, maintenant je peux respirer sous l'eau. C'est le genre de cas que le Gretsumara me manque dans le jeu. Ah ouais, c'était easy le truc là. C'est le genre de cas que l'upgrade de fin de jeu où tu peux avoir Clank comme mode réacteur sous-marin manque un peu. Pas une grotte cachée, ça.
même plus où ils sont les boulons d'or de cette planète s'il y en a. Au pire, en attendant d'avoir le détecteur à raccourci, hein. Tout ce qui est raccourci, comme ça, hop. Là, là-dedans, peut-être. Ah bah ouais, j'ai découvert un passage. En plus, fallait l'amélioration. Belle logistique. C'est pas allé assez loin. Oh, c'est bugué, fichier. Ce qui arrange pas, c'est qu'il y a des trucs explosifs donc. Voilà. Merde, ça a pas réussi à aspirer. Putain, j'arrive pas à les aspirer, fais chier. Un peu en PLS de point de vie là quand même. Hein. Allez, faites le travail, mes petits chéris. Je préfère l'Helipack, hein. Tu montes plus haut avec l'Helipack, hein. À la preuve. Là j'arrivais pas à atteindre le sommet alors qu'avec l'Helipack tu dirais que t'atteins. On paraît que je me fais tuer après l'animation ou pas? Non c'est bon.
Ça me renvoie où ici? Ok, je vois où je suis. En plat favori, oula, bonne question. J'aime bien les râpés, j'aime bien le bourguignon, j'aime bien les lentilles à la crème et glace saturée de la palette. C'est une question assez large. La salade de tomates, de concombre, la salade verte. Je vais faire exprès de mourir, je vous rassure. Hein. Vu que j'ai plus de points de vie. Ah, il va me falloir l'hydrodéplaceur ici. Non. Si je devais mourir dans 10 heures, je mangerais quoi ce soir? Alors là, des râpés. Des râpés avec une bonne salade verte. Oui, biscotte est français. Bah bien sûr que je suis français, t'as cru que j'étais quoi? J'aurais pu être canadien. Certes, mais... Est-ce que j'ai l'accent d'un Canadien? Non. Ah oui aussi, oui, ouais, belle jouée. J'adore quand je fais bugger les mines. Ouais, Bolero vs Covid-19, ouais. Ah oui, quand tu laisses de trop, elles explosent direct les mines. J'ai oublié ce détail. C'est logique, quand tu balances une mine, si tu avances de trop, elle explose. C'est... On va dire, c'est logique. Bon. Allez, viens là, mon gros! Ah, j'adore le lance-mine!
Pas d'enjeu, non. Le upgrade d'armes, c'est à partir du 2 ou les armes ou de l'XP. Sinon, le seul upgrade d'armes que t'as, c'est quand tu fais le jeu en mode défi et que tu débloques les armes en or. Ça les rend un peu plus puissantes. En dehors de ça, non. Bon, j'ai quasiment vidé toute ma réserve de mine, mais bon, pas grave. Ça va pas miner le moral, lol. Ah, j'adore quand mes blagues font les réactions que j'attends que les gens ont. Tout le monde qui a débarqué mais qui est pas resté longtemps. Vite, 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 vite. Remonte, 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 remonte. Je vais m'auto-détruire. Ouais, on est 4 d'après le bot. Ouais, bah y'a toi, y'a Lufinia, bon, à sauf qu'elle est pas sur Twitch, elle est sur YouTube. Y'a Pistache, du moins Q-Team, y'a Biscotte. Moi je chine pour avoir des gens qui parlent pas beaucoup, moi, sur mon chat. Y'a un peu trop de gens là. Bonjour, je ne fais que de passer, au revoir. Voilà, tout le monde est mort. On m'avait y est passé aussi, mais... Thank you.
Voilà. Mieux comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là, le minou? Je cherche une substance quasiment introuvable et absolument secrète. Du raritanium? Peut-être, oui. Il paraît que les océans de cette planète en sont une source exceptionnelle. Non, plus maintenant. Et tout ça à cause du déversement de produits nocifs. Vous trouverez du raritanium pour... Ah, tu peux être relevé. Quel camelot! Ah, ma toute dernière invention, le persuadeur. Je voulais manipuler les esprits avec, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est une remise des vendeurs de chez Gadgettron. Mais ça pourrait m'aider, ça. Je vous l'échange contre du raritanium. Il me semble qu'il y en a sur la planète Oven. Nos capteurs longue portée ne détectent aucune trace de raritanium sur cette planète. Notre base de données indique que le meilleur endroit pour localiser ce minerai est la planète Oven. Allez, je viens de faire respirer. Merci. Moi, je stream. Je vous montre du gameplay d'à peu près de bonne qualité et des bonnes blagues. Et je suis pas payé pour ça. Hein. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est vrai que je peux pas utiliser les armes quoi. Je sais pas pourquoi t'as pas le droit d'utiliser tes armes quand t'es en mode magnétobot, mais... Ouverture du raccourci. Bon, je vais aller en vocal. Je vois que tout le monde est en vocal sur mon sur le serveur Discord. Je vais y aller. En gros, il avait un complexe d'infériorité par rapport à Sephiroth, quoi. D'accord. Ah, mais tiens, un boléro sauvage qui se pointe. T'as fini ton Ratchet & Clank? Bah non.
J'ai vu que t'avais eu le réacteur et tout, que t'étais en train de te plaindre sous la flotte et... Ensuite j'ai quelques petits bugs Twitch. Ça c'est qu'un détail. Surtout Biscuit qui a eu des bugs. Ah, pourquoi les gens ont des bugs? Parce que les bugs existent. Ah non, j'ai vous étiez tous en vocal, moi j'ai dû m'incruster. On parlait de FF7 Crazy Score. J'ai eu ça en recommandation. Bon, je trouve que Crazy Score il est vachement intéressant. Ouais, il m'intéresse pas. Ouais, c'est comme Xeno 2 Tornade. Tu sais que c'est triste, mais tu joues quand même. Ah bah non, c'est vrai, Bolero il a pas touché. De quoi? Le DLC de Xeno 2. Ah oui. Qui est meilleur que le jeu de base. Bah non, le jeu de base est très bien. C'est pas parce qu'il est bien qu'il y a pas des problèmes. Bah, pour moi, il a aucun problème le jeu de base. Il est mou, les ennemis sont des sacs à PV. Et putain, c'est chiant de se heal parfois. Bah non, c'est pas chiant de se heal. Oh, le stop Ania, t'es baisé pour se heal. Bah oui, bah. Tu l'as dans ta team, faut l'utiliser. Moi, c'est spécialement une excuse. Bah, j'ai aucun problème, moi. Il faut que tu trouves au jeu, moi j'ai aucun problème, le sac à PV ça fait du bien d'avoir des ennemis que tu tues pas en deux coups quoi. Pour un RPG. Et ce qui est différent, c'est entre buter un ennemi en deux coups et buter les ennemis en 200 coups. Ouais non, quand même pas, pas à ce point. Tu exagères là, mon putain. Par contre, je suis dingue, elle est pétée, on est d'accord. Non, elle est pas pétée, elle est juste un missile nucléaire, pas pour nous. Complètement brochure, je suis là. Ils ont ajouté le Mario de Mario Bros 2 dans Mario Maker 2. Genre, tu sais, tu peux sauter sur les ennemis, tu atterris juste sur la gueule en fait, tu peux les choper et les lancer. Genre, tu peux faire pareil avec les chompes, les bibales et tout. T'as chopé qui les pas là. Non, je compte pas de prendre une PS4 un jour, c'est mort. Aucun intérêt cette console. Moi, j'ai chopé le Mario et oh putain, on peut jouer sur le manage. La PS4 n'a pas de grand intérêt pour moi. Super gland. Non mais KH3, non, tu m'excuses, mais KH3 c'est de la merde. Tu m'excuses. T'as commencé personnage, Fiki? Non. Là ils sont en train de faire une énorme mise à jour pour Mario Maker 2. Ah non, en même temps j'ai reçu FF7 juste après, et en plus là de ce que je viens de voir, quand je vais finir FF7, j'aurai le nouveau Mikuatsune qui va sortir le 15 mai. Je suis pas prêt de le commencer personnellement. Le plombier de l'espace. Le plombier de l'espace. Il y a trop de jeux. J'aurais percé les fanches anti-aériennes. Bah, Mikuatsune, en même temps, je les ai saignés tous les ans autant que les autres, donc je peux te garantir que le nouveau qui va arriver, il va se faire. Il y en a pas qui sait s'en servir comme il faut. Ah, mais moi je tire comme une bête. Non, je risque de perdre mon boulot alors. Oh, allez, quoi, fais pas ta mijaurée. C'est pas la peine de garder une tourelle si personne s'en sert. En plus, les blagues vous ont chassé de la dernière planète. Faut leur faire payer, mon gars. Bon, d'accord, vas-y si tu veux. Mais va pas me cacher quelque chose, hein. Un chant quand les doublages ils sont en vert. Peut-être en vocal. Ah non, 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 tu m'excuses ici. Et ah, si, il est très très mauvais, hein. Ah, si, tu m'excuses, mais c'est pas que c'est pas mon goût, c'est que il est mauvais de part en part. Hein. Que ce soit au niveau du gameplay ou que ce soit au niveau de l'histoire. Il est à chier de A à Z. Déjà la barre de MP. Maintenant que j'ai un bon exemple d'action RPG qui ressemble beaucoup à Kingdom Hearts FF7 Remake. Maintenant, tu prends la barre de MP de merde de cache 3, cache 2. Tu la trop poses sur FF7 Remake, tu peux pas finir le jeu. Tout en bloquant par combat dans FF7 Remake, un palier de 7 items par combat. Maintenant, t'essaies de faire un boss dans FF7 Remake avec la barre d'MP de merde de cage 2 et 3 et avec le fait que tu peux avoir que 7 items par combat quand t'es à la fin du jeu. Maintenant, t'essayes. Tu peux pas finir FF7. Qui prouve bien à quel point un gameplay tu peux pas transporter dans un jeu du même type, ça prouve bien que c'est de la merde. Et de deux, l'histoire est merdique parce que tous les personnages morts qui a porté une quelconque émotion aux joueurs par leur disparition, par leur mort, et bah, ils sont faits en mode oh, happy end! Allez, on fait que tout le monde ressuscite! Même si c'est justifié par le scénar, c'est de la merde!
Non, 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 c'est pas style de cache, non, non. La barre de MP de cache arrêté brin. Le gameplay était parfait depuis Burbassip avec le JDC. Où tu pouvais mettre autant de sorts de soins que tu voulais, plus d'autres compétences. Donc non, c'est pas du tout du Kimlen Art. Hein. C'est pas du Kimlen Art comme j'aime. Hein. Cache 2 et cache 3. Hein. Pas du tout. C'est une aberration de gameplay, je trouve. De game design. Ah non, Et en plus, dans Cache 2, tu pouvais changer de cible avec le lock-on, tu peux plus, ils l'ont enlevé. Alors que même sur PSP, il y avait deux gâchettes en moins, tu pouvais le faire. Je m'excuse, mais... Je suis désolé, mais... Le seul truc qui est pas à mon goût, ou là, c'est vraiment que c'est pas à mon goût, c'est Burr, c'est 3DS, c'est 3D, c'est Cache 3D, à cause du... Non, pas pour moi, c'est pas des détails, ça nuit mon expérience de gameplay, hein. Ça nuit mon expérience de gameplay à mort. Puis KH3 en plus avec le style des commandes lié au Keyblade qui est complètement pourri. Le principe des manèges qui est complètement pourri. Qui est juste trop pété et t'es invincible. Ce qui a aucun intérêt. Ah non, pour moi c'est pas détail. Hein. Pour moi justement dans un gameplay c'est les détails qui comptent. Hein. Et ces genres de détails, bah tu m'excuses, mais j'ai joué à Cache 1, j'ai joué à Burbassip, à Recoded, à 3DS, le gameplay était très bien. À part 3DS, j'aime pas parce que... là, c'est juste mes goûts, parce que j'aime pas... J'aime pas du tout le principe de nourrir des bestioles, je déteste ça dans un jeu. Et là, c'est juste mon goût personnel. En dehors de ça, le gameplay reste bien. Kezako, ça détecte les boulons sous terre. Mon grand-père l'a conçu pour aspirer la petite monnaie sur toutes les planètes de la galaxie. Quel vieux radin celui-là. Bon, allez, salut, à la prochaine, peut-être. Maintenant que tu disposes d'un métaux détecteur, un Ico... Ah non, je suis pas mauvaise langue, moi. Moi, je joue, j'en joue que sur le gameplay et... Si des trucs de mécanique de gameplay me rendent folle, bah elles me rendent folle. Hein. La barre de MP de Cache 2, Cache 3 me rendent folle. La direction des boulons. Sur Cache 1, regarde, sur Burbassip, je te fais tout le jeu, je suis niveau 58 avec Terra, même tous les boss optionnels. Pourquoi? Parce que je peux spammer les sorts du sein alors que je suis en dessous du level recommandé hein, pour les faire. Sur Cache 2, je peux pas le faire. Pour pouvoir faire tous les boss optionnels de la version Final Mix, je vais être obligé de farmer pour aller au level 99. Et dans les RPG, j'aime pas farmer. À part FF10 où le farm il est bien. Et sinon, je déteste farmer. Et Cache, dans le 2 et dans le 3, bah t'es obligé de farmer si tu veux pouvoir faire les boss optionnels. Et tu m'excuses, mais non. Depuis Cache 1 et Burbassip et tout le bordel, je suis habitué où j'ai pas besoin de farmer. Ou si j'ai du skill à minimum et je connais bien le pattern du boss, bah ça passe. Si t'as cette sorte de temps sur toi. Voilà. Et justement, cette seule mini que moi me gâche le jeu. C'est cette mimique me gâche le jeu. C'est ça, le public me gâche le jeu, hein, moi, hein, dans Cache 2, Cache 3. C'est pour ça que je les aime pas. Hein. Pour beaucoup, c'est qu'un petit détail, mais pour moi, non. C'est le plus gros détail du monde pour moi. Je peux pas détruire les trucs là, ça donne pas un point de compétence. Ah mais c'est dur de viser avec ça. Ah bah moi Chain of Memories, j'adore le gameplay Chain of Memories. Tu peux faire si t'es très bon, tu peux faire un boss sans prendre aucun dégât. Parce que si tu construis bien ton deck, le jeu est génial. Ah moi Chain of Memories, j'adore. Parce qu'il est beaucoup plus stratégique que tous les autres caches. Les 3D, il est bien, c'est juste que le principe de nourrir des bestioles, j'aime pas ça. Bon, j'aimerais pas désinguer des bestioles. En lui-même, le gameplay, c'est Super Burbassip. Hein. En lui-même, hein. C'est un JDC. Hein. Ah, moi, Chain of Memory, je l'adore. Hein.
Beaucoup de joueurs l'ont pas aimé parce que les mecs, je trouve qu'ils étaient pas de... À part la partie Riku. La partie Riku, j'aime pas parce que même à la fin du jeu, t'as toujours des cartes de valeur 1 ou 2 et forcément, tu te les fais péter et c'est pas de couilles. Mais il y a beaucoup de gens qui crachent sur Chain of Memories. Dit ouais mais c'est de la merde parce que les mecs ils ont pas compris le gameplay de Chain of Memories. Mais le Chain of Memories, le gameplay, mais il est jouissif hein. Je te jure, en critique, le jeu je te fais juste avec une moitié de barre de vie hein. Je te fais un demi-cercle hein. Si on faisait que la barre de vie de Sora pouvait faire un cercle complet, moi je te fais tout ce jeu avec juste un demi-cercle hein. Ah, personnellement, cache 2, cache 3, je trouve vraiment que c'est de la merde à cause de la barre de MP. Après, ils ont d'autres défauts. Hein. Par exemple, la non-forme en fusion. Quand tu veux juste farmer l'XP, tu veux juste farmer l'XP des fusions, tu tapes la non-forme, mais juste à te faire foutre, ça me pète tes couilles. Hein, c'est très frustrant. Je sais pas pourquoi elle existe, cette non-forme de merde. À part me faire chier, je vois pas. Oh putain, j'ai pas activé la passerelle là quand j'étais en clank. Oh, fait chier. Je peux pas passer. J'ai oublié d'activer la plateforme là quand j'étais en clank. Comment je fais maintenant, hein? Comment je fais pour aller là-bas? J'ai aucun problème avec aucun cache à part le 2 et le 3. Hein. Avec Trompe, micro déplaceur ne servait à rien, mais par contre ça va me servir. Je crois que c'est ce survivant Conkers là. J'ai critiqué H3, tout le monde s'est barré. Oh. Ah, le lance-mine. Qu'est-ce que j'aime cette arme, putain. En plus, Cache 2 est un pire départ de jeu vidéo que j'ai jamais vu. Putain, la partie avec Roxas au début, mais elle est chiante à suc. Mais elle est chiante à suc, putain. Ah, franchement... Super affaire pour vous aujourd'hui. Aïe! Vilain. Vilain pas beau, meurs. Combien de balles pour les tuer ces enculés? 3. Ah, tu m'excuses, mais pour moi, KH2 et KH3 ont tellement de tard que non, je peux pas les apprécier. Que ce soit au niveau gameplay, bon, KH2 a pas de problème niveau histoire. Tu peux viser ça. Alors, KH3, putain. Bon, j'étais un peu sans pitié pour ce pauvre mec, mais bon. Ah, je m'amuse pas sur KH2. Hein.
littéralement je m'amuse pas. En plus, KH2, ils ont une tonne de monstres à gameplay de merde. C'est juste chiant. Que ce soit les monstres ou les boss à gameplay de merde. Tu me fais péter juste un plomb plus qu'autre chose. Et la mine, merci. Entre les boss où tu dois défendre une porte, les boss où tu dois ramasser toutes les pièces maudites pour pouvoir le taper, et ça prend 3 plombs à chaque fois pour les ramasser et qu'ils te les enlèvent. Entre les boss volants où faut utiliser une commande réaction pour esprit réussir à atterrir sur son dos, mais si tu n'y arrives pas, bah. Tu mets 3 plombs à le tuer. Non, non, franchement. Quand je ferai KH2, bien sûr KH2 c'est pas comme KH1, ou KH1 je le fais en mode montée ou et tout le bordel, tu verras KH2 je le ferai en mode live, tu verras je vais pas m'amuser. Là vous comprendrez quand c'est vraiment un jeu j'aime pas. Vous verrez ce que c'est quand j'aime pas un jeu, y jouer hein. Parce que je vais faire tous les KH à part le 3, en live, pour voilà pour ma chaîne YouTube, avoir tous les opus de KH à part le 3 bien sûr. Non parce que même le 3 voilà. Que le 2 je l'avais fait à l'époque de ma PS2 parce que j'avais pas beaucoup de jeux, donc voilà. J'avais réussi à le faire. J'avais fini à 100% à l'époque de la PS2. Quand il n'y avait pas encore l'organisation 13 à retaper à la fin du jeu. Et en plus le sort rafale, bon ça. Oups. Et un autre truc qui me fait chier, c'est la parade. Non, je recommence aussi loin, t'es pas sérieux le jeu. Oh putain. C'est la parade qui manque depuis KH1, c'est la parade, elle donne plus d'XP bonus quand tu pars. Là, c'est, je trouve ça complètement con, c'était génial ça. Ça te forçait à parer. Parce que moi j'utilise pas la roulade dans les KH. La roulade j'aime pas ça. Ah oui, rafale, véhicule là t'as miroir, mais c'est de la merde miroir. Miroir c'est de la merde, tu sais, mais. C'est pour ça que KH1 reste mon KH préféré. Malgré chez Nomuri, j'adore. Après, Barbassi, c'est mon KH préféré. Si au lieu des Nessiens, ils avaient mis les 100 coeurs. Pour moi, KH3, moi, encore KH2, je pardonne. Tu vois, c'était le deuxième opus. Ils ont changé le gameplay. Encore, je pardonne un peu à KH2, ses défauts de gameplay. Un peu, mais juste un peu. Mais KH3, non, perso, je comprends pas. Hein. Pour moi, KH3, il a fait une régression dans le gameplay. Je m'excuse, mais t'es censé innover, mais KH3, non. Pour moi, il a rien innové. Il a essayé de prendre des trucs des autres KH. Mais il a pris les trucs, mais il les a rendus de manière pourrie. Genre les styles de commande, qui est stylé sur KH Burba Sleep. C'est stylé sur BBS. Tu vois, tu te fais cette game pince, un certain style de commande, et après t'en as un autre encore. C'est stylé. Bah non, là c'est par rapport à Yo et Keyblade, une fois que tu as utilisé, t'en as pas un autre, ça fait une grosse attaque ultime et qui fait beaucoup trop de dégâts, je trouve. En plus, les transformations du Keyblade n'est pas ouf, je trouve. Pourquoi ça active les mines quand j'utilise
Toi tu commines. Ah merde, il s'était pris qu'un coup. Il s'était pris qu'une mine. Ouais, 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 non mais... Pour moi, Square Enix, depuis pas mal d'années, fait du grand n'importe quoi. Vous avez bugué, monsieur. Allez vous rendormir les gars. Après c'est peut-être Disney qui a pas voulu la VF après. Après aussi pour KH3. Mais j'avoue pour des jeux on n'a jamais demandé VF, on a une VF et pour des jeux on voulait la VF on l'a pas eu. Je suis entièrement d'accord. Moi, tout d'ailleurs. F7 Remake me dit encore. Square Enix va peut-être se rattraper au niveau de la série des Final Fantasy. Parce que franchement, je peux te dire que FF15, je trouve, c'est de la grosse daube. Hein. Niveau gameplay, c'est pas du tout ça. Pour moi, j'ai abandonné Final Fantasy, moi. Hein, du côté de Square. Hein. Moi, ça n'existait plus Final Fantasy, c'était devenu de la merde. Là, le F7 Remake, il dit ah. Ils vont peut-être comprendre leurs erreurs. Voici un district. Ce distributeur contient aussi des nanotech ultra, la toute dernière invention de la technologie Gadgetron. Le Nanotech Ultra augmentera ta santé maximum de 100%. Ah, 30 000 boulons. J'ai pas l'argent. Aïe. Moi je peux pas aller là. Oui mais pour moi non, il y a que des défauts sur le jeu. Désolé, le jeu a beau être beau, non, le système des styles de commandes sur les Keyblades, c'est de la merde. Désolé, quand je compare au style de commande de Bird by Sleep, tiens, moi, quand je joue un jeu, je compare par rapport aux autres cash. Et désolé, quand je compare le style de commande des Keyblades, bah, ok, il y en a un uniforme pour chaque Keyblade, mais voilà, c'est pas ouf. Alors que celui de Bird by Sleep, putain, le style de commande, il était bien fait. Putain, mais comment je fais pour retourner là-haut, moi? C'est que moi, je compare toujours, moi, c'est très bien. Pour tirer un multi-opus, je compare toujours avec les autres opus. Et quand je compare, bah, tu m'excuses, mais KH3, bah, il est en dessous de ça par rapport aux autres opus. Quelle que soit la mimique de gameplay qu'ils ont utilisé, c'est en dessous. C'est vraiment en dessous de chez en dessous, pour moi. Avoir plus de 3 persos, je m'en bats les couilles parce que franchement, je préfère être tout seul et avoir des alliés. Parce que les alliés en général ils me font chier à tout le temps crever. Hein, merci Dingo et Donald. Donc, avoir plus de 3 persos, je m'en bats les couilles. Moi, il a que des défauts. Le seul truc bien qu'il faut reprendre de Cache 3, c'est l'exploration Gumi. Alors là, l'exploration Gumi, j'adore. Alors là, l'exploration Gumi, elle est géniale. L'exploration Gumi, là, ouais, d'accord. Là, elle est géniale, l'exploration Gumi. J'ai rien à rajouter là-dessus. L'exploration Gumi, c'est le seul truc à
Mais c'est le seul truc à sauver de KH3. Alors moi quand je joue à plusieurs opus, je compare par aux autres opus. Hein. Et quand je compare par aux autres KH, c'est un nom définitif, hein, KH3. Moi je juge un jeu que sur le gameplay, donc je suis très exigeant sur le gameplay. Surtout quand tu vois que d'autres KH avant ont fait mieux. Tu vois ça niveau gameplay alors que les autres caches étaient vachement mieux. Je m'excuse mais non je peux pas l'apprécier. Et cache 3 je peux vraiment pas l'apprécier. Après d'habitude je joue pas sur l'histoire mais alors là l'histoire cache. Le cache 3 c'est mort. D'habitude je m'en bats les couilles de l'histoire qu'elle soit bien ou pas bien. Mais alors là pour moi Square Enix il s'est foutu de notre gueule là au niveau de l'histoire de cache 3. Bah désolé mais tous les personnages qui sont morts ou refusionnés, qui ont apporté de l'émotion aux joueurs, ils réapparaissent tous comme par magie. Tu m'excuses mais j'appelle ça du foutage de gueule. Quand tu fais des personnages morts, t'assumes. Et tu titilles pas et tu titilles pas le fan. Ah, tiens, tous vos personnages morts, tiens, on les ressuscite comme par magie. Wouhou. Juste pour titiller le fun dans le sens du poil. Tu m'excuses mais tu fais pas ça. M'excuse, mais moi ça se fait pas pour moi. Ah, attendez, je dois m'absenter. Je dois m'absenter.
Je suis désolé, bon, je dois m'occuper de problèmes informatiques de ma mère, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais sauvegarder. On reprendra ça demain. Donc sur ce, je vous remercie de regarder et je vous dis à la prochaine. Sur ce, salut.